Ok, il a un pouvoir de fuir qui est un peu chiant. Mais moi aussi j'ai les pouvoirs de fuir. C'est bon, t'es mort. Urik Servegoun, cet affront, vous allez le payer. Après Zul'Dazar, c'est la horde qui tombera. Bon voilà, accroche-toi, hein. Vous avez osé tuer notre Loa. On va vous traquer, vous torturer, vous saigner à blanc. Pas de retour en arrière. Pas d'espoir pour Zul'Dazar. Pas d'espoir pour vous. Goun s'éveille. Goun se lève. Goon, je vais le goumer. Zandalar connaît des jours sombres. Ah, les deux, ok, d'accord. Essayez de revenir en un seul morceau. Regagner les ruines de Zobal. Et raconter ce qui s'est passé, ok. Méfiez-vous des trolls de sang. Oh, génial. D'accord, ok, ça aurait pu m'amener directement aux ruines, mais bon, ça. Ça m'a juste sorti du territoire. Ça alors? Vous êtes de retour? Et en un seul morceau? Tu doutais de moi? J'ai ce qu'il vous faut. Bon, Shunga est en vie. On peut pas. Pas en dire autant du loi Irek. Vous avez fait quoi? C'est interdit de. Vous pouvez pas tuer les lois. Bah. La loi, c'est moi. Pardon. C'est triste, mais vous n'avez pas le choix. Je n'aurais jamais cru que ce goon, il arriverait à corrompre un loi. Décidément, Nazmir est un lieu maudit pour tout le monde. Docteur Polan, qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit maudit? Bof, cet endroit n'est pas si hostile. Nous sommes en pèlerinage et j'ai l'impression que vous allez nous compliquer les choses. Princesse, la Horde, elle va bientôt nous envoyer des renforts. Je crois pas qu'on ait le temps de se laisser distraire. Lui, il vit sa vie, quoi. Nous échangerons une prochaine fois. Un petit peu de l'or, ça fait pas de mal. Eh ben moi qui pensais que tout cela ne vous apportait guère. Voyons par où commencer. Nous effectuons ce pèlerinage en Nazmir toutes les quelques années. Parfois, 5 printemps s'écoulent. D'autres fois, c'est plus proche de 20. En fait, tout dépend de Toga et de ses histoires. Lorsqu'il se murmure que Toga a des récits à nous confier, nous nous mettons en route, nous venons nous asseoir ici, et nous n'en perdons pas une miette. Ensuite, nous partageons ces histoires avec tous ceux qui croisent notre route. Vous avez beaucoup de chance, vous savez, il est rare de voir un rassemblement de cette ampleur. C'est là un récit à part entière, même si j'ignore s'il passionnerait vraiment nos amis elfes de sang. Racontez-moi tout en détail. Ce peuple, moi, il me fait triper. C'est vraiment les, enfin, c'est des tortues, hein, simplement. Mais vraiment, enfin, je sais pas. Ils ont une mentalité particulière. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. C'est les mecs pépères, en fait, qui s'intéressent à tout,
Mais qui, d'un autre côté, se foutent de tout. C'est-à-dire que tout ce qui est guerre, tout ça, la politique, ils en ont rien à carrer. Et puis, ça, ils s'intéressent à tous les petits détails, en fait, aux histoires, quoi. En gros, ce qui les intéresse, ce sont les histoires. Mais la politique actuelle ou les trucs comme ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à carrer, quoi. C'est assez drôle. Je suis contente de vous revoir en un seul morceau, MDG Normand. Nazmir est un endroit horrible, mais on dirait que vous vous débrouillez bien. Oh, ça va, c'est plutôt tranquille. Rokan et moi avons convaincu votre horde que nous avions besoin d'une aide supplémentaire. Il va bientôt partir à la rencontre des renforts. Reste encore à obtenir l'aide des lois. Comment ça s'est passé avec Brom Somdi et Irek? Alors, Brom Somdi, c'est ok. Irek, on va devoir se passer de lui. Parce qu'il est mort. Puisse Bon Samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Vous dites que vous avez obtenu l'aide de Bon Samedi et tué Eric? Impressionnant. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Il ne reste plus que deux Loas. Nous devons partir avec ces tortolans et aller voir Torga, le Loa tortue. Bon, vous pouvez venir. Mais ne faites pas un bruit. C'est un pèlerinage, pas un banquet au château. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Vengeance pour nos morts. Très bien, partez, j'ai mieux à faire. Torga, le loa tortue. Moi, c'est Larsk. Nous ne sommes pas venus pour épouser une cause, quelle qu'elle soit. Nous voulons simplement entendre la geste légendaire de Torga, le loa des tortues. Je ne sais pas s'il vous aidera, mais vous pouvez toujours essayer de le convaincre. Vous verrez bien s'il accepte de participer à votre croisade contre les trolls de sang. Vous êtes libre de rejoindre notre groupe de pèlerins à condition de rester discret. Suivez le chemin et allez voir Kisha. Elle vous dira où aller. Suivez le parcours du pèlerinage Tortolan pour atteindre Torga, le loa des tortues. Ok. Mes chasseurs des ombres et moi, on part en éclaireur. Je vous confie la princesse. Bon, allons voir Torga. Mais rappelez-vous, ne faites pas trop de bruit. Je ne voudrais pas manquer la moindre de ces histoires. Ce n'est pas la première fois que je traite avec de vieux tortolans qui radotent. Concentrez-vous et avancez. Ah, j'avais Je pas vu. crois qu'on va s'entendre à merveille, princesse. Ouais, donc ok, puis ils vont disparaître ici, voilà, ok. Bien. Eh ben, c'est parti. Attendez, tant que j'y suis, même si c'est pas essentiel. Ah, un client potentiel. Ok. Et tout ça, ce sera à recycler. À une prochaine fois. Elle est super utile cette monture. Elle coûte cher, mais elle vaut le coup. Surtout qu'on peut faire des trucs un peu. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Voilà. Ah mince.
Attendez. Voilà, hop. Truc qui a aucun sens. Mais c'est pas grave. Tac, parce que vu le poids du machin... bon. Ok, on y est. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va répondre ça. C'est bon? J'ai l'air d'un guide touristique. Je suis juste ici pour écouter les récits de Torga. Continuez à suivre cette route sans vous en écarter, et vous finirez par trouver Torga. Vous ne pouvez pas le rater. C'est une tortue géante. Je ferais mieux de partir avant que quelqu'un d'autre me demande son chemin. Ouh, j'ai des sacs anti-gifs qui sont en train de partir à l'HV. Oh, stonks. J'ai quelqu'un qui est en train de m'acheter un set complet. Hmm? Pour essayer de se le faire, lui, au passage, je vais le faire. Qu'attendez-vous de moi? Ouais, pour 36, bon. C'est pas ouf ouf hein, de les faire, mine de rien, mais bon. Et merde. Alors, je sais pas si je vous avais montré ça. Ah bah, ouais, bon, allez, ok. Sauf que je suis pas dans le bon angle, mais... Voilà. J'ai une monture aquatique. Super, j'avais déjà pied, quoi. Bon. Mais ça me permet de nager plus vite. Mais laissez-moi passer. Hop. De quoi? Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur. C'est l'œuvre des trolls de sang. J'en mettrai ma main à couper cette affaire. Il faut la tirer au clair. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Nous devons parler à l'esprit de Torga pour savoir ce qui s'est passé ici et découvrir comment arrêter cette catastrophe. Vous étiez à la Brom Somdi, n'est-ce pas? Eh ben, il est temps d'éprouver ce lien. Nous avons besoin du loi des morts pour contacter l'esprit de Torga. Invoquez pour Msundi, les crânes de vos ennemis, ornez vos habits. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple.
Laissez-moi deviner. Vous voulez parler à l'esprit de ce pauvre Torga. Et si on faisait un marché, vous m'apportez l'âme d'un autre Loa, et là, vous pouvez parler à l'esprit de Torga. Nous refusons d'entrer dans ton jeu, Buon Samedi. Tu veux l'esprit d'un Loa? Irik a déjà été tué. Tu n'as qu'à te servir. Vous vous donnez du mal, Talonji, je vous l'accorde. Mais c'est pas pour ça que mon aide sera gratuite. C'est tout? Fin des négociations? Bon. Zandalar pour toujours. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais nous avons le soutien de Brom Samedi. Il est temps de faire couler le sang. Que les Loa veillent sur vous. Je sens que quelque chose de sombre et de puissant se manifeste dans la carapace de Torga. Il faut l'arrêter et vite. Une invocatrice, loin d'être en train de se servir du sang du Loa, doit être en train de se servir du sang du Loa pour accomplir un rituel. Faites ce qu'il faut pour l'en empêcher. Je reste ici pour protéger les Tortoulans contre les trolls de sang. Tuez l'invocatrice Yarz, vous recevrez une de ses récompenses. Une cape et des mules. Les mules coûtent plus cher. Puisse Bon Samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Pourquoi autant okay. Se presser? Combustion de tige. De tique, pardon. Tout ceci est déroutant et parfaitement insensé. Franchement, je n'aurais jamais pu imaginer. Pareille histoire. Pourquoi vous entendez ce bruit répugnant? Ce sont ces charognes de tique de l'effroi qui pompent le sang de Torga. J'en ai la chair de poule. Comment ça? Vous n'entendez rien? Vous pouvez me croire, elles sont bien là. Attendez, excusez-moi, j'ai été interrompu par quelque chose. Vous pouvez me croire, elles sont bien là. Et il faut leur régler leur compte. Tenez, prenez ce parchemin. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ces maudits insectes. Lisez-le près d'eux. Ça les fera exploser. Ok, d'accord. Peut-être exploser, c'est un type de l'effroi. Oui, je vous écoute. Alors, quel bon vent vous amène chez ce pauvre vieux Buon Samedi? Ça grouille de trolls de sang dans le coin, même s'ils sont en train de pomper Torga jusqu'à la moelle. Ça craint, même pour moi. Quand un troll de sang bouffe du Loa, son âme, elle devient corrompue. Je vous le dis, parce que c'est toujours bon à savoir. Ces âmes-là m'intéressent parce qu'elles sont pas comme les autres. Vous me rapportez les âmes corrompues de ces trolls de sang, et moi, je vous appelle l'esprit de Torga. Collectez 10 âmes trolls de sang. Ok, pas de soucis. Oust, je veux plus vous voir. Bon. Alors. Ouais, bon, ok. Ok, attendez, je vais juste m'éloigner de façon à... Voilà. Ok. Ce n'est pas encore.
fait. J'ai pas compris pourquoi il a été agressé là-bas, mais c'est pas grave. De mon marcheur pour que son sort d'aggro puisse toucher les autres ennemis. Pourquoi j'ai fait ça, j'en sais rien. Ok, alors les tics, c'est bon. Ok. Et il me reste juste le boss qui est là-bas. Alors j'ai un timer de 30 secondes là. Mon marcheur là, qu'est-ce qu'il attend? Mon loot! Je veux mon loot! Il est où mon loot? Bon bah j'ai pas de loot. Allez hop, on va rendre les quêtes. Et je suppose qu'il va falloir déglinguer ce machin. Très bien, partez, j'ai mieux à faire. Pas si fort. Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Ah oui, hop, faut que je prenne les mules. Zandala résistera. Qu'est-ce que la mot elle peut faire pour vous? Ok, quête suivante. Votre part du marché, vous l'avez respectée. Bromsomdi va vous montrer ce qu'il reste de l'âme de Torga. Il va falloir que j'utilise une partie de vous comme conduit pour l'invoquer. Vous en faites pas. Je vous rendrai tout. Enfin, presque. Après ça, je m'en vais. Vous aurez qu'à me rappeler si vous avez besoin. Mais faudra que ça en vaille la peine, hein. Demandez à Bromsomdi d'invoquer l'esprit de Torga. Tout le monde vient à moi.
Toga, ton esprit, on en a besoin. Sors-toi la tête de la carapace. Princesse Talanji, l'itrole de sang renforce Jungo à l'aide de mes restes. Détruisez les campements autour de ma dépouille pour affaiblir Jungo. Ok. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Torga ne peut plus rien pour nous, mais nous pouvons toujours contrecarrer les projets des trolls de sang. Ok. Vengeance pour nos morts. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Est-ce que c'est vraiment mon... Parce que ça a l'air d'être un objectif secondaire, mais... Je suis hors de portée. Ouais, sans mon marcheur du vide. Je perds un petit peu de temps, hein. Je suis trop éloigné de mon marcheur, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, 70%.
3. Bon, en fait, je joue avec celle-là, puis c'est bon quoi. Même hop. Voilà, ok, super. Ensuite. J'ai un truc là-bas. Et j'ai une nouvelle quête là-bas. Alors, je vais retourner voir Talenji, voir s'il y a du nouveau maintenant que j'ai fait cette quête secondaire. Faut juste que je retraverse. Alors, je vais tout retraverser à l'arrache. Hein. Alors, c'était par là. C'était pas là-bas, près des ruines. Visiblement non, parce que j'avais jamais découvert cet endroit. Ça m'a l'air d'être par là, enfin... Oups, 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 oups. Beaucoup de mobs là. Non, j'ai dû trop me déporter, je pense. Je retrouve pas l'endroit où c'était. Bah écoutez, c'est pas grave. On va se diriger vers le point d'exclamation qui est là, idole déchue. Et puis on va bien voir. Parce qu'après ça, là, ça me rend fort. D'accord, ok, j'ai la nouveauté à... Je n'ai pas de cible. À Zuldazar. Parce qu'il me reste encore un lot à voir. Ok, Torga et Irek sont morts. Bromsomdi est avec nous et il y avait l'histoire d'un autre loi. Parce qu'elle a bien dit 4 lois et on en a vu que. On en a vu que 3. La Talenji, elle est là, mais. Ça, je me bats pour ce qui ça c'est une autre instance, c'est une vieille instance. Bon, hop. Exploration de Nazmir. Apparemment, j'ai tout découvert à Nazmir. Bon, attendez, je contourne. Je contourne un peu parce que sinon. Je l'ai raté.
Bah, c'est censé être là. Censé avoir une quête ici. Plus par là. Ok, donc ça doit être pour plus tard. Donc c'est pas grave. Attendez. Ouais, c'est ça. Hop. Donc. Hop. On retourne là-bas. Et on va voir la quête qui manquait. Dans le camp. Là-bas. Évidemment, hein, j'ai masse d'ennemis. J'essaie de contourner un petit peu. T'as l'air d'être dans la hutte là. Allez, parce que là, je suis en plein dessus, là. Hein. Je suis censé empoisonner la couvée. C'est censé être la quête qui... Que ce soit en contrebas, mais... Je peux pas descendre là. Si, je peux descendre. Je peux pas. Mais je vais pas tout me taper. Enfin. Non. Bon. Je pense pas. Mais oulala, c'était pas loin. Ouais, ok. Bon.
Écoutez, apparemment, non, il va falloir que je retourne à Zuldazar et ma pierre de foyer n'est pas là-bas. Donc, il va falloir que je reprenne à Fly. Parce qu'apparemment, la suite, c'est là-bas. On retourne à Dazar Alor, enfin à Zuldazar, quoi. Fly est là-bas. Bien, bah direction le port de Zuldazar. T'as 5 PO le Fly quand même. On y est presque. Ok, voyons un petit peu. Donc normalement c'est la complainte de la Banshee, hein, le bateau sur lequel on va, je pense. Oh, attendez, je vais en profiter. Est-ce que j'ai assez? Que nous apporte le vent? Ah purée, je suis qu'à 400, à 486. Il m'en faut 650 pour pouvoir avoir la cache de la horde. Attendez. Ouais.
Une fois qu'on aura la cache, ce sera bon quoi. Donc la cache, à chaque fois, nous ramènera 500 de ressources ensemble, tous les... Peut-être toutes les semaines, mais au moins je pourrais avancer là-dessus, quoi, parce que c'est un peu long. Bon. Nathanos. Salutations, porte-parole de la Horde. Purée, il y a beaucoup de choses là. L'Union des îles d'Azur. Plus de Zazaré a pris en cause pour vous. Ok. Pourquoi c'est. J'en suis encore insufflé. Oh. Bon, on s'en fiche. Azeri tactique. Rendez-vous utile. Ok. Mais j'avais pas déjà fait tout ça? Pour la dame noire. Voilà. Nos espions ont intercepté un message de l'Alliance rapportant la découverte de d'un affleurement d'Azérite dans la Grande Mer. La compagnie de la Banshee n'est hélas pas assez rapide pour nous permettre de les devancer. Fort heureusement, j'ai justement fait armer un bateau Zandalari pour parer à ce genre de situation. Allez voir le capitaine Rezokun au quai de l'ouest. Il a été informé de votre venue et attend plus que vous pour jeter l'ancre. Ah, alors oui. Oui. Fallait que je vous parle de ça aussi. Firestorm a évolué. On n'est plus en 8.0.2, on est en 8.2. Ce qui fait que maintenant... Hors de ma vie. Hop. Nash Jatar est accessible. Donc ça va être aussi un objectif qu'on va faire en vidéo. C'est il faut qu'on aille à Nash Jatar. Et il faut absolument que j'y aille. Il faut que j'aille au refuge pour apprendre à faire des sacs moins chers. Union de Zandalar, ok. Mais. Ok, d'accord, bon, allez. On l'enveloppe, donc. Le chef de guerre m'a confié une mission. Nous la ramenons à bien. N'en doutez pas un seul instant. Mais j'ai de nouveau besoin de vos talents particuliers pour écarter rapidement tout obstacle susceptible de se mettre en travers de ma route. Les Zandalari mettent leur navire à notre disposition. Alors réglez nos affaires courantes. Puis allez voir le capitaine Rezogun quand vous serez prêt à lâcher l'ancre. Okay. Il y a la bataille de Dazar alors. Ok. Rendez-vous. Attendez, je regarde un truc. Tu peux bouger toi parce que. Qu'y a-t-il? Ouais, donc lui c'est ok, lui c'est pour aller à Kul Tiras. Allez, pour un voyage inoubliable. Exploration des îles. Que le vent et la mer vous soient favorables. Après, exploration des îles. Vous recevrez l'accès à l'exploration des îles. Ça sent vraiment l'Azérite, ok. On ferait mieux de se manier. Si on veut arriver sur l'île.